merci pour votre fidélité. Les portes du stade ont ouvert il y a environ une heure et les tribunes sont déjà pratiquement pleines alors que le coup d'envoi va être donné dans quelques secondes. Ambiance magnifique et puis ce grand soleil qui brille depuis le début de la journée. Bref, tous les ingrédients sont là. On va vivre un très beau match de football. C'est l'un des plus beaux stades dédiés au football. Et on rentre dans le vif du sujet. Salvio. Et le ballon a franchi la ligne. Il récupère le ballon. C'était un bon pressing. Rincón. Agüero avec Rondon et c'est directement récupéré. Oh, voici ça, la main de Rondon. C'est joué long, c'est dangereux. Le jeu repart vers la droite pour trouver la faille dans la défense. Il est servi, le drapeau peut frapper là. But pour l'Argentine et ouverture du score pour l'Argentine. Il joue bien le coup là, ça prouve une nouvelle fois qu'une passe millimétrée peut transpercer n'importe quelle défense. Quelle belle entame après cette ouverture du score dans les premières minutes. Ça joue long vers l'avant. Ça sort, touche. Quand le garde droit au but, il est inoffensif. C'était bien défendu. Il décide d'allonger le jeu. Salomon Rondon qui choisit de jouer en retrait. Il y a peut-être un coup à... Oh, l'occasion! Un peu d'oxygène pour sa défense. Ça peut être extrêmement dangereux. La passe dans la profondeur. La passe est précise, il tente de la jouer dans l'espace. Il est passé. Salvio qui centre. Pourquoi pas, très fort, très loin, ça soulage. Il va provoquer. Oh, il fallait l'oser ce tacle. Il remporte son duel. Le bon dribble. Ah, c'est dommage, c'était un contre bien mené, mais ça n'a pas suffi. La frappe! Ça. Oui, il était bien concentré. Bravo. Premier corner dans cette rencontre. Il met la tête. Ça frappe là-bas. Pas loin, mais ça ne rentre pas. Alors là, c'est un gros manque de réussite. Il a trouvé la barre transversale alors qu'il avait mystifié tout son monde. Messi qui compte donc un but dans ce match. Et il repique au centre. Messi! Oui, c'était puissant! Oh, le gardien est là, la classe! Oui, quelle intervention! Honnêtement, moi je la voyais dedans. Bien servi! Voilà qui met un terme à cette première période. 45 minutes sont passées, un seul but marqué. On va laisser les équipes se reposer en buvant une petite tasse de thé, pourquoi pas. Bien sûr, ça fait toujours plaisir de rentrer au vestiaire en menant au score. La question est de savoir s'ils auront encore le sourire à la fin du match. Un seul petit but d'écart entre les deux. Allez, on est reparti. Un seul but d'écart, mais ça suffit à leur bonheur pour le moment. Cette attaque n'a pas pu se développer. C'est joué long, attention.
Qu'elle fait du bien cette interception. Il cherche son coéquipier. Dybala. Il glisse le ballon en profondeur. Bien défendu, c'était chaud. C'est reparti, ils peuvent contrer. Il joue dans l'espace. Et la petite femme qui va bien. Federico Fazio. Enzo Perez. Dybala. L'Argentine qui cherche l'ouverture. Ouf, un peu d'air. Pas le temps de se lamenter, c'est déjà récupéré. En dribble, c'est bien fait. La tentative. C'est dégagé, loin devant. Et il tombe sous la pression. Bonne lecture de la trajectoire. C'est joué long, attention. Le long dégagement du gardien. Oh, il y avait danger, mais il a bien jailli. Messi. L'ouverture sur le côté. Il reçoit le ballon. Ça manque de finition tout ça. J'espère bien pour eux qu'ils ne vont pas le regretter. La passe dans la profondeur. Federico Fazio pour un nouveau ballon récupéré. Et l'entraîneur fait rentrer du 109. Il était fini, crevé, cabo comme vous dites. C'est clair qu'il fallait le faire sortir. Il peut frapper. C'est bien défendu, il fallait vraiment être solide. Il est passé. Il tente de la jouer dans l'espace. Ça passe dans l'axe. Il frappe. Quelle inspiration. Ça manque de précision. C'était malin, mais c'est loupé. Le dernier coup de poker de l'entraîneur. Et c'est pas surprenant. Il avait l'air de tirer la langue. Un peu de sang frais, ça va le faire du bien. Paolo Dybala. À la régulière, il est battu. Joli tacle. Le ballon piqué sur le côté. C'est vraiment dommage. Il le manque toujours un petit quelque chose. Il glisse le ballon en profondeur. Il est tout seul. Allez, bonne intervention. La passe en profondeur. Oh, voilà le coup de sifflet final. C'est fini. Ils auront douté jusqu'au bout, mais cette victoire 1-0 suffit largement à leur bonheur. On n'a pas vu du grand football.